Et c'est fait, Thierry. Charles. Voilà, Charles en boule. On y est, allez, superbe. Ça va pas être simple, faut se préparer à ce que ce soit dur, quoi. On a des objectifs avec Chart, et c'est le plus important aujourd'hui. On va tout donner pour l'équipe. On s'est battu tout le temps, c'était difficile, et j'espère que ça sera encore mieux. Edwin, what is your opinion about steak? It's amazing. When it's red, it's... But the people think it's unbelievable, just like you. No. Vitor, look what you think. Before, when you were eating meat. The last century. You know. What do you think about steak? It is underrated or the people think it's really good? It's overrated. Ah. I don't know what comes to this. Bon appétit. On vient de se réveiller, la sieste avant le match contre Nantes ce soir. À diète, forcément, ça fait très longtemps là qu'on n'a pas fait de match. Hâte de reprendre la saison. Et on verra bien comment ça va se passer avec la nouvelle situation sanitaire. Et à l'écharpe. Il y a 3-0, ça fait du bien. Après une longue période sans jouer, ça fait du bien. Le match a été rendu facile par les joueurs, donc c'est plutôt une bonne entrée. Maintenant, il reste 17 rencontres, donc du moins on l'espère. Donc la suite dimanche. De la sieste. Ce soir, on joue contre Tours. C'est un important match. C'est le premier après les quarantaines qu'on a fait. Ça sera dur. Allez, Charles.
Donc victoire 3-2, c'est une bonne chose car le match a été très compliqué avec un Gorak en forme. Donc 3 points pour nous, c'est très bien. Maintenant, je vous donne rendez-vous à Metz. Taurigny Fouillard, Amiens. Le monsieur à l'NBA il m'a expliqué la différence de boulangerie et pâtisserie, mais j'ai rien compris. On a des objectifs avec Chart. Mais ça va pas être simple, faut se préparer à ce que ce soit dur quoi. Ça, tous les matchs sont importants et aussi compliqués. La route est encore longue, nous devons nous tenir prêts pour tout. Vamos! Vamos! Voilà, belle victoire 3-1 sur Rouen. On est de retour dans la course à la montée en Pro A. Voilà, bon match de toute l'équipe. Ça a tourné. Bon fight de toute l'équipe. Bensek qui fait 2 points. C'est parfait, on est content, on reprend ça. Ouais, on va essayer. Du coup, t'as pris quoi là? Je sais pas, Emmanuel Rassou il a choisi pour moi. C'est pain au chocolat, mais avec sucre et c'est pain au chocolat. C'est pas. Je vais essayer, j'espère que c'est bon. On a fini la première phase du championnat Pro B. On a fini à 12e place, juste un point derrière Rouen.
mais on s'est battu tout le temps. C'était difficile et j'espère que la deuxième phase, ça sera encore mieux. Nantes qui est actuellement dernier du championnat, voilà, donc ça sera un match surtout à gagner. C'est ça, en fait les 9 matchs vont être à gagner, c'est ce qui fait que ça se passera bien, c'est qu'on va attaquer tous les matchs avec la même intensité. Surtout heureux d'aller là-bas et de jouer aux Jeux Olympiques. Je veux juste profiter du moment. Maintenant, je suis concentré sur le championnat. On a des objectifs avec Chart et c'est le plus important aujourd'hui. On va tout donner pour l'équipe. Après, on pourra reparler des JO, mais la priorité est pour le championnat. Nous ne sommes pas en position pour pouvoir choisir nos rencontres. La route est encore longue. Nous devons nous tenir prêts pour tout. We have 7 matches all together, and we have to be ready for everything. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thierry. Pour un très grand match qu'on va voir aujourd'hui. Si ce n'est peut-être un des matchs les plus importants de la saison, forcément. Le premier contre le deuxième. Voilà, donc voilà. C'est pour probablement peut-être la montée C'est le sprint final à Chartres, donc on va dire que Chartres est un peu sous pression, parce qu'ils ont, 2 points de retard, hein, comme vous le savez, au classement. Donc... Chartres n'a pas d'autre solution que de remporter le match et l'idéal c'est de le remporter comme il l'avait gagné à l'aller sur le score au moins de 3-1 pour revenir à égalité à Croane et donc entre guillemets passer devant eux.
Ah oui. Ouais, belle balle. C'est magnifique ça. Ah, belle terre. Super. Bien joué, bien joué. Un match vraiment parfait. Rondement mené, on va dire. Ouais. Match. Allez. Donc 10, deuxième match de match sauvé. Allez, on y croit. Tout le point, on n'a pas le choix. Hein. Maintenant. Allez, Ben, c'est encore un. C'est jamais. Oui. Égalité. Incroyable. Il revient en score. Avec une prise de risque, un service. Là, je pense que oui. Égalité 14. Le mano à mano, il a sauvé 5 balles de match quand même. Oui. 16-15. 16-15-14. Oui. Ça y est. Incroyable. Ah, c'est incroyable, ouais. Incroyable. Ah, super. 5 balles de match sauvées. Incroyable ce match. Incroyable. Vraiment. Faut les prendre. Voilà. Mm. Qui rentre dans le jeu et qui se libère. Oh oui. Ah, elle est belle. Ah, le gros contre, superbe. Oui, superbe. Il sert bien, Léo, donc. La balle elle est pas assez, pas assez vite derrière. Voilà. Ça a été un match à sens unique. Sens unique. Ouais. Aucun signe de. Pas de solution. Premier Duo, point pour Duo a fait un très très bon match. Hein. De côté. Premier point pour Juan. L'arbitre donne raison à Juan. Une balle. Ah, super. Super croisé. Super contre-pied, ouais. Contre-pied, c'est 6. Voilà, il garde ses deux petits points d'avance. Ses deux points d'avance, ouais. Allez, jusqu'au bout, comme ça. Ouais, c'est bien. C'est bien. Oui, ça y est, c'est super. Ils l'ont fait, oui. Oui. Voilà. 3-1 pour Chartres. Oui, 3-1, super. Ah, au bout du suspense, mais là c'est vraiment. Ils ont gagné 3-1 à l'aller, ils gagnent 3-1 retour. Franchement. Manuel Rassou face à Rouen, il fallait gagner 3-0, voire 3-1. Vous l'avez fait, mais que ce fut dur.
Ah, mais on savait que ça allait pas être simple. Hein. C'est des matchs comme ça, ça va rester. C'est plutôt chouette. Il y a plein de choses un peu bizarres. Le deuxième match, il a été dingue. Irvine a super bien joué le premier. Ouais, c'est des matchs intenses et c'est bien quand ça se termine bien. Mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini parce qu'on a gagné 3-1. Maintenant, faut qu'on gagne Argentan et puis Torigny. Ça va pas être simple, faut se préparer à ce que ce soit dur, quoi. On va savourer quand même pendant une heure et puis après on repart. Bonjour, je suis avec Thierry. Bonjour Guillaume. Bon là tout le monde est un peu stressé parce que c'est la journée qu'il ne faut pas rater. Comme tout le monde sait, si on gagne, on va enfin retourner à notre place. En Pro A. En Pro A, exactement. Donc là ce soir on aura Florent Lambier contre Léo de Nord-Brest. Ah, quand ça sort comme ça, ça fait du bien. Ouais. 2-4. Toujours son petit break. Ouf, une belle super. Ouais, là. Très belle attaque de super. Florent. Super. Bon, c'est pas la dernière balle volée, de match. Mais bon, victoire de Florent. Le deuxième match sera de Bense Majoros. Majoros contre Damien Provost. Ah oui, voilà. Et l'attaque en route. Ouf. Ah oui, contre pied. Une balle bien extérieure. Ouais, il a pris la tête là. Ah
Belle attaque. Égalité 3. Attraper le haut du filet. Ouais. Superbe. Superbe balle. 9-11. Bon. Et ben, le deuxième point pour Charles. Ça c'est fait, on va dire. Génial. Bon, alors, le dernier match qui va opposer Irvine à Nochad, c'est un très bon joueur. Voilà, déjà, bon. Belle attaque, ça part bien. Il a hésité, fallait qu'il la finisse là-dessus. Ah ouais. Bravo, ah, superbe point. Avec l'attaque d'Irvine, ça c'est un très beau point. Ouais, là, magique. Bon, de nouveau, balle de 7. Bon bah voilà, pour Torigné, c'est ce qu'on craignait un peu. C'est ce qu'on craignait un peu, tout à fait. Bah, c'est vrai que je pense qu'en face quand même il y a un mur. Il est très très fort. Il est très fort et ouais, j'étais impressionné par le jeu qu'il avait, les services, les retours de balles. Et ben, le quatrième match, ce sera Bense contre De Nodrest Léo. La tranche de la raquette. Ouais, ça c'est mortel. Ça c'est. Voilà. Belle attaque. C'est belle ça qu'on veut voir. Allez, plus que 3. 8-7. Là, bah, je peux dire que c'était tendu. Et c'est fait. Thierry. Charpé. Voilà. Charpé en y est. On y est. Allez. Super. Ce soir, on s'était dit non, personne ne peut nous prendre notre place en Pro A. Et c'est loin, c'était loin d'être gagné, de repartir après tout ce qu'on a connu l'année dernière. Les gars, ils ont assuré, on est resté archi concentré pour ne pas penser à trop de choses et à rester dans le jeu. Et c'était dur, mais c'est passé. Quoi.